On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, on va s'intéresser à la télévision et le futur de la télévision. Tous les grands électroniques s'y intéressent, Apple bien sûr, mais aussi Google. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Connecter la télé à Internet, tel est le nouveau créneau des géants de la Silicon Valley. Beaucoup rêvent ainsi d'installer le PC dans le salon, beaucoup s'y sont cassés les dents. Apple à sa mesure avec la première génération d'Apple TV ou encore Microsoft avec le Media Center. Cela ne décourage pas Google avec son Google TV qui tente de marier télé et Internet, alors qu'Apple se montre bien moins ambitieuse avec son nouvel Apple TV. On refait le Mac, épisode 36, Apple et Google, des chaînes, la télé. Les Radio du Monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en parler cette semaine de l'avenir de la télévision, Rodrigo Sepulveda, Schulz, qu'on retrouve chaque semaine sur son site, rodrigosepulveda.com, et puis aussi sur un formidable podcast. Tu peux nous en parler de ce podcast, Rodrigo? Oui, ça s'appelle le Emery Rodrigo Show. Nous en avons enregistré l'épisode 72 aujourd'hui au Salon de l'Automobile à Paris. On peut dire que tu fais office de pionnier en matière de podcast vidéo en France, on peut le dire. Tu m'étonnes, c'est le plus vieux podcast de l'Internet français. L'autre invité, vous le connaissez déjà également, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance un visage masqué, qui nous livre quelquefois sa vision et ses secrets d'Apple. Comment ça va, Monsieur X? Ben, ça va bien, et puis comme on va parler... télé ce soir, Olivier, je me suis donc mis au lit en pyjama avec un bol de cacahuètes, cette circonstance. Est-ce que tu as pensé à prendre ta télécommande pour zapper si tu en avais marre? Non mais comme il est tard et que je suis un peu malade, j'ai du sirop contre la toux, ne t'inquiète pas. D'être les pionniers du podcast fait que souvent on a le poids des uns sur les épaules. Messieurs, donc, de l'Internet, de la télévision sur Internet, des ambitions des géants de l'informatique envers la télévision, c'est pas forcément nouveau, hein. L'objet qui est derrière moi les attire depuis belle lurette, ils sont souvent cassés les dents. Mais avant de rentrer sur rentrer dans le vif du sujet et du débat en particulier, je voulais d'abord parler avec Monsieur X. Tu as publié sur le site onrefaitlemac.com récemment un article où tu revenais sur la vision qu'avait Steve Jobs de la télévision du temps où tu étais au sein d'Apple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ont bien évolué parce que jadis, dirons-nous, il n'y a pas si longtemps, Apple avait plutôt une réaction épidermique envers la télé. Oui, absolument. La fonction télé chez Apple, elle a été longtemps considérée comme une fonction pour les neuneux, pour C'était pas dire... C'était le grand Satan, hein, on peut dire. Oui, le grand Satan, pour pas dire pour les abrutis. La fonction c'est télé pour ça chez Apple... que Cédric Ingrand n'est pas là ce soir. la fonction télé, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois, dans un Mac, c'était avec le Spartacus, le fameux Mac pour les 20 ans d'Apple. Et puis depuis, cela ne plus rien. Pas non plus. Non, depuis plus rien, le désert complet, cette fonction télé dans le Mac, elle n'était absolument pas souhaitée, malgré le fait que les clients la réclamaient à corps et à cri. Je crois que de toutes les promotions qu'ont fait les revendeurs qui vendent du Mac en Europe, celle qui consistait à vendre un iMac et un tuner TNT télé, et celle qui a été la plus populaire de tous les temps. Donc réclamée par les clients, jamais donnée par Apple, et puis un retour directement par le poste télé avec l'Apple TV il y a déjà quelques temps maintenant. Oui, en clair, Steve Jobs a permis la fortune et le gâteau, tant mieux pour eux. Mais concrètement, il avait des mots très très durs envers la télévision. Pour lui, c'était vraiment un objet d'abrutissement. Comment on peut expliquer cette évolution aujourd'hui? Bah, moi je pense que c'est assez simple, il y a une bonne opportunité économique
pour Apple. Apple a besoin de grandir et le marché de la télé est énorme, hein, que ce soit sur les postes de télévision, sur les contenus, puisque maintenant il y a beaucoup de services, les fameux services de VOD, et puis aussi sur la publicité que draine la télévision, qui est toujours le premier média en termes de budget publicitaire. Donc il y a un océan pour Apple qui est là, océan qu'Apple attaque par ce qu'elle sait faire de mieux, donc les services et ce que propose l'Apple TV, qui sont ni plus ni moins que les services d'iTunes déportés sur le plus grand écran de la maison. Si je comprends bien, Rodrigo, si Steve Jobs a évolué sur sa perception de la télévision, c'est que la manière dont on consomme la télévision n'est plus la même. On consomme plus d'une manière linéaire la télévision, mais on la consomme à la carte. Donc peut-être qu'il y a un créneau à prendre. On est à la charnière depuis quelques années de cela. On n'est pas encore complètement à la carte. Mais on se rend compte qu'on peut de plus en plus consommer son film au moment où on le souhaite. On peut enregistrer sa télé avec des fonctionnalités qui ont été développées il y a 10 ans par TiVo. Aujourd'hui, c'est en standard dans toutes les box. On enregistre son émission, on la voit plus tard, ce qu'on faisait avec le magnétoscope à l'époque. Avec les box ADSL aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement... On subit encore un flux de programmation, mais il y a une vraie appétence pour pouvoir consommer des petits bouts séparément quand on veut, et ne plus... À avoir l'idée d'éditorialisation qui a été faite par une équipe dans une chaîne de télé qui finalement ne nous correspond plus. En tout cas, il y a l'appétence de la part des géants de l'informatique pour la télévision. Ils ont beaucoup d'ambition. Il y a eu, bon, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de tentatives avortées. Souvenez-vous du Media Center de Microsoft. On voulait mettre carrément le PC dans le salon. Là, le PC de retour avec Google, avec le Google TV. Alors, ça, c'est pas forcément un PC, c'est soit un boîtier, soit carrément des télévisions connectées. Vous en pensez quoi, la stratégie de vouloir justement proposer l'Internet sur la télé? Est-ce que c'est bien raisonnable, surtout quand on entend ça? Je vous propose d'écouter Steve Jobs. They don't want a computer on their TV. They have computers. They go to their widescreen TVs for entertainment, not to have another computer. This is a hard one for people in the computer industry to understand, but it's really easy for consumers to understand. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Steve Jobs? En gros, la télé sur l'ordinateur, ça ne peut pas fonctionner. Vous pensez quoi concrètement de la stratégie du Google TV, Rodrigo? Non, mais d'abord, quand on dit apporter l'Internet à la télé, excuse-moi, mais l'Internet, ce n'est pas le web. Le web, c'est le port 80, c'est l'un des milliers de services qu'il y a sur Internet. Il y a plein de choses. On apporte un service de musique, c'est l'Internet, sur sa télé. Ça permet d'écouter, par exemple, des beaux albums avec une jaquette, la playlist, la biographie qui s'affiche à l'écran de ce que l'on écoute. Ça, c'est l'Internet, mais pourtant, ce n'est pas du web. Oui, mais après, l'interface, c'est quoi? C'est des widgets, c'est des applications. Et c'est là où peut-être la vision d'Apple est intéressante par rapport à celle d'un Google. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'avec l'arrivée d'Apple TV et avec iOS à l'intérieur, ils vont nous mettre des applications sur la télé, et que consommer l'Internet via des applications, c'est radicalement différent que de proposer un ressuscité d'ordinateur sur la télé, non? Mais il ne faut pas oublier que la télévision, c'est un écran. Il faut décorréler le matériel de son contenu. Si tu veux regarder la météo, tu peux la regarder sur ta télé. Il n'y a pas de problème. Si tu as tes cours de bourse, tu peux la regarder sur ta télé. Si tu veux voir ton flux Twitter, tu peux le regarder sur la télé. Oui, bon. Mais ouais. c'est plutôt passif comme consommation. Mmh. Oui, bon, enfin. Ça n'a rien à voir avec les programmes. Oui, j'entends bien, mais il y a aussi l'idée d'interactivité, l'idée aussi de pouvoir regarder. Si je te comprends bien, tu reprends un petit peu l'idée d'Apple de dire qu'aujourd'hui, la télé, c'est un support de visionnage comme un autre de l'Internet, hein, de consommation de l'Internet, comme pourrait être l'iPad, l'iPhone, l'iPod ou le Mac. Et on le voit avec AirPlay, hein, qui arrive bientôt dans l'iPad et l'Apple TV. On va pouvoir passer, regarder un film sur son iPad, le finir de le regarder sur la télé et finir sur l'iPod éventuellement. Donc là, on voit qu'il y a une vraie vision de concevoir la télé comme un support, comme un autre, et on passe de l'un à l'autre. Mais il n'y a pas une volonté de le transformer en objet communicant, connecté, avec un système d'exploitation derrière, avec des widgets à installer, des applications à installer. On n'en est pas encore là. C'est pourtant ce que veut faire Google, on est bien d'accord. Je pense que Google va un petit peu trop loin. Mais en effet, Apple, ce qui est vraiment étonnant, ils ont autorisé VLC,
ou CineX Player sur l'iPad. Sur l'iPad. Ça permet de lire des formats qui ne sont pas les formats natifs Apple. C'est pas du H.264, mais du DivX. Donc, on va pouvoir streamer ces fichiers qu'on a pompés sur le net directement sur sa télé en utilisant du matériel Apple. Est-ce qu'on va refaire toutes les widgets que l'on a sur l'iPhone, sur la télé? De l'absolu, pourquoi pas? Il ne faut pas oublier l'usage et que les télécommandes ne sont pas vraiment adaptées pour ce faire. Déjà qu'on utilise des ersatz de Media Center ou d'interface riche sur la télé, type Boxy, XBMC, ATV, etc. Les claviers à l'écran, c'est pénible. Même qu'on est sur une PS3, c'est pénible de taper des messages aux gens à qui on joue. C'est pas fait pour ça. Est-ce que quelque part, donc, cette quête de la télévision interactive, qu'initie Google ou Sony avec ses téléconnectés ou encore Samsung ou LG, c'est pas illusoire. La solution serait plutôt que de tout transposer sur la télé, d'avoir un objet communicant qui soit un tableau de bord de la télévision, voire une super télécommande de la télévision. Et ce tableau de bord, ça pourrait être l'iPhone ou l'iPad. On le voit avec l'application Remote. C'est mon coup de cœur de cette semaine. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette application sur l'iPad et sur l'iPhone, qui vraiment permet de piloter son objet. Tu parlais tout à l'heure, Rodrigo, de la difficulté qu'on a à piloter un Media Center ou l'Internet via la télé avec les télécommandes de plus en plus grosses. Hein, démonstration, hein, voilà. Voilà, concrètement, monsieur X, ton avis de toi qui t'es intéressé au problème, puisque tu militais au sein d'Apple, tu l'as dit au début, pour que la télé arrive sur le Macintosh. Ben, moi, je crois qu'Olivier, la question que tu poses, elle est vraiment partielle. Je crois que tu oublies bon. Ce que Attends, moi elle je était pense. Longue, hein. Ouais, elle est très partielle. Tu présentes deux options qui sont la vie. qui est Apple d'un côté avec son monde des applications, et comme le disait fort justement Rodrigo, on pourrait imaginer transformer notre écran télé en gigantesque iPod Touch, le pied, et puis une autre vision qui est de mettre l'Internet en l'adaptant, comme Google et les fabricants de télé se proposent de le faire, mais quid de l'ergonomie, quid des scénarios d'usage. Il y a quand même une troisième possibilité qui est explorée et qui va faire l'objet de beaucoup de discussions dans les mois à venir, c'est l'option Microsoft et l'option Nintendo. Faut se rappeler que quand on regarde la télé, on vit dans un espace qui est entre le canapé et l'écran, qu'on s'y repose, mais aussi qu'on peut y être actif. et on peut y être actif au travers du jeu. Au travers du jeu. Et la troisième solution qu'on sera en train d'amener... Nintendo, ça fait déjà un peu de temps avec la Wii, mais surtout Microsoft Kinect. Dans les jours qui viennent avec Kinect et sa communauté de joueurs connectés, c'est de mélanger ce qui fait pour moi l'essentiel du fameux entertainment, qui est la télé plus le jeu plus le fait d'être connecté avec des partenaires, et c'est cette vision là qui moi je pense aujourd'hui est la plus pertinente. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment Microsoft va dérouler, et Sony aussi, toute sa stratégie de fusion télévision, oui, jeu, notamment avec le très attendu Kinect. Et je crois qu'Apple est à des années-lumière de ça, malheureusement pour eux. Apple TV, c'est simplement aujourd'hui de la VOD, ça va certainement évoluer, et l'opportunité qu'ils ont, s'ils répliquent ce qu'ils ont fait, c'est une fois de plus ce que disait Rodrigo, en faire un gros iPod Touch. Bon, c'est super de voir la météo grâce à une application Apple sur mon écran LCD, enfin ça casse pas trois pattes à un canard malgré tout. Hein. Oui, mais c'est pas ce que tu décris, c'est une évolution importante en matière de divertissement et de jeux vidéo, mais c'est pas la télévision, hein, c'est pas la production de flux télévisuel, hein, c'est autre chose. Alors que, comme je te disais tout à l'heure avec Remote, l'application de l'iPad, qui est un exemple, hein, c'est de montrer que peut-être que plutôt que de vouloir copier-coller ou essayer au forceps, comme peut le faire aujourd'hui Google, comme le fait aujourd'hui Google, d'essayer de faire arriver l'Internet sur la télé, il y aura peut-être la place pour d'autres écrans intermédiaires, l'iPhone, l'iPad, qui seraient des sources d'informations supplémentaires à la télé, qui apporteraient l'interaction que n'offre pas la télé aujourd'hui. Rodrigo. Le champ de bataille est sur le temps d'attention. Ouais. Suivant les pays, mais en France, on est un petit peu moins de 3h40 de consommation télé par jour. Il ne s'agit pas de produire 340 de flux de contenu par jour. Il s'agit de capter les 3h40 de temps d'attention devant la télé d'un téléspectateur qui peut être en train de consulter des applications, des photos, de la musique, du son, en train de jouer. On est encore une fois sur le marché, on se disait, qui fait un petit peu moins de 200 milliards, 180 milliards de dollars de publicité sur la télé, sur le support télé,
face à 3h40 de temps d'attention. Donc ce que va changer la télé de demain, c'est un, c'est qu'on va mettre au même niveau tous ces programmes, tous ces contenus, ces applets, ces flux linéarisés, la VOD, etc., pour capter ce temps d'attention qui peut être monétisé en publicité. La deuxième chose, et le soulignait M. X, le soulignait, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'inspirer des plateformes de jeux. Ouais. Ce qui rend la télé de demain vraiment intéressante, c'est le côté social. C'est qu'on va plus regarder tout seul, mais on va interagir sur ce qu'on est en train de regarder avec plusieurs. Ah, je veux, pour cela, juste vous souligner, quand on regardait l'inauguration d'Obama sur le net, on était interfacé à l'époque, c'était une des premières instances interfacées avec Facebook, et on voyait en direct les commentaires, et on pouvait commenter en direct ce que l'on voyait. Après, il y a eu plein d'événements qui ont été faits autour de cela, et on se rend compte aujourd'hui, peut-être dans votre cercle d'amis, que plusieurs de vos amis, quand vous êtes sur Twitter en même temps qu'une émission de télé quelconque ou une télé-réalité, tout le monde se met à commenter et ça change l'intérêt pour ce que l'on regarde. Donc la télé de demain, c'est pas l'écran, oui. C'est pas ce que cherche Google TV, c'est pas l'Apple TV aujourd'hui, c'est juste capter le temps d'attention et les applications sont mains de le faire et le rendre social. Sachant que le téléspectateur n'est plus passif et devient quelque part actif. C'est pas grave. Il faut juste son temps d'attention. C'est plutôt bien. Mais TF1 avait raison. C'est le temps de cerveau disponible. C'est vraiment ça. Monsieur Lelay, si vous nous écoutez, juste un petit mot. Si tu parlais de la publicité, si tous ces géants de l'électronique et notamment de l'informatique ou des grands sites comme Google, les portails ou moteurs de recherche s'intéressent aujourd'hui à la télévision, c'est qu'il y a aussi un objectif pécunier majeur. C'est le quoi? Le marché. Ils veulent bouffer le marché de la publicité. C'est ça concrètement? Ben oui, aujourd'hui, c'est un marché qui est détenu par quelques acteurs. C'est un oligopole. Dans chacun des pays, ça s'appelle une chaîne de télévision. Ils sont 5 ou 6 à avoir 80% du marché. Pourquoi c'est eux? Ben, on peut aller les taper, aller chercher cette manne publicitaire et la transvaser chez d'autres, en tout cas, éditeurs de temps. En tout cas, il n'est pas dit que la solution technique qui permettra que cette télévision interactive arrive et se matérialise, c'est pas pour demain, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs visions, on l'a vu durant cette émission, qui s'affrontent, et au-delà, il y a surtout beaucoup de constructeurs qui s'y sont cassés les dents, donc ça risque de prendre encore quelques années. Messieurs, on va passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, cette semaine, on va commencer par Rodrigo. Oui, alors moi, cette semaine, je voudrais vous parler d'un site qui, moi, me bluffe. J'y vais depuis 6 mois, 9 mois, il me bluffe absolument. C'est un illuminé qui n'habite pas sur Terre, qui fait un site qui s'appelle macperformanceguide.com. Tout ce que vous avez voulu savoir pour être un geek ultime, extrême, sans l'avoir osé le demander à votre petite copine, eh bien vous saurez tout sur les meilleurs SSD installés dans votre machine avec les temps d'écriture, de lecture, dégradation au bout de 9 mois. Comment monter un stripping en RAID 0 sur votre Mac. Comment acheter moins cher un Mac il y a 2 ans et de le faire tourner beaucoup plus vite qu'un Mac d'aujourd'hui. SSD. C'est plus que ça. Le type est vraiment taré. Le site est extrêmement bien fait. C'est donc macperformanceguide.com. C'est un photographe qui a commencé à faire ça pour booster ses machines Mac. Ouais. Et aujourd'hui, il a un partenariat avec une boîte US qui est très sympa, s'appelle maxhealth.com. Il leur construit à la demande des machines ultra tunées. Donc c'est sur Mac. C'est vraiment super. Il décrit tout. Il a développé des utilitaires pour exploiter le Schmilblick. Moi, j'ai complètement changé ma config de mon Mac Pro de janvier 2006, donc le tout premier Mac Pro. Aujourd'hui, moi, je tourne avec 18 Tera dessus, avec un stripping sur 2x4 Tera en RAID 0. Enfin bon, et ça booste à mort. Donc voilà, macperformanceguide.com. C'est pas pour autant qu'iChat marche mieux sur ta machine, hein. C'est pas qu'on puisse dire ce soir. Monsieur X, c'est pas l'émetteur qui pose problème, hein. C'est vous. Non, moi ça va. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Ben, moi aussi, ça va être un Mac fan. Et c'est un Américain qui s'appelle Kelly Sutton. Et Kelly Sutton, il a un site web qui s'appelle en anglais dans le texte Cult of Less, ou le culte du moins. Et ce garçon représente un mouvement, on va dire, sociologique, hein, qui s'appelle les ultra-minimalistes et qui est en train de devenir assez populaire. En tous les cas, il sort de la confidentialité, où les gens, plutôt qu'éventuellement acheter un Apple TV et se gaver de VOD, ont décidé d'essayer de vivre avec moins de 100 objets en leur possession. Donc sur ce site qui est lui-même très minimaliste, vous allez voir tous les objets que
possède Kelly Sutton et tous ceux qu'il a mis en vente pour pouvoir arriver à ce fameux univers limite de 100 objets avec lesquels il va vivre. Et vous pourrez voir dans cette liste des 100 objets qu'il a gardé, un MacBook Pro, un iPod et un iPhone. Pas les guêpes quand même. Et pas d'iPad, voilà, c'est vrai. Et je crois que son iPad, il l'a vendu. Il y avait des bonnes affaires à faire. Il vendait un Mac Mini pour 90$, mais il est déjà parti. Vraiment un mouvement à suivre, parce que c'est un petit peu à l'opposé de ce qu'on vient de se dire ce soir. Oui. Plus de services, plus de consommation. Là, c'est le retour à l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a le Mac. Donc du coup, moi, j'ai honte, monsieur, que vous présentiez mon coup de cœur, hein, parce que c'est bien plus terre à terre. C'est une application qui est gratuite, qui est arrivée juste avant l'arrivée de l'Apple TV. Sur le marché, ça s'appelle Remote 2.0, c'est la deuxième version, je la cherche en fait en même temps que je vous parle, la deuxième version de l'application de télécommande d'Apple, donc ça permet de télécommander bien sûr le Mac à la maison en Wi-Fi et accessoirement mon Apple TV qui est derrière moi. Alors voilà ce qu'on voit, alors je ne sais pas si vous voyez grand chose mais on calera en montage, sur l'écran de mon iPad j'ai l'ensemble de ma bibliothèque iTunes. Et je peux piloter, lancer à distance toute la musique qui est stockée dans mon Apple TV, parce que moi j'ai l'ancien, les vidéos, et en fait mon tableau de bord, ma télécommande, ça devient mon iPad, et je peux de manière beaucoup plus intuitive, directement avec le doigt, choisir ma musique, choisir le film, regarder la jaquette, les informations, etc. etc. Et surtout je peux piloter de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus sympathique avec le bout des doigts en caressant mon iPad pour browser mes bibliothèques iTunes. Voilà, moi c'est une matérialisation en tout cas de l'objet intermédiaire que pourrait être un iPod, un iPhone ou tout autre type de smartphone ou de tablette pour compléter, je dirais, l'usage de la télévision aujourd'hui, la rendre interactive sans forcément nous forcer à changer notre télé avec une prise Ethernet ou Wi-Fi derrière, pour nous envoyer des informations. Par exemple, on pourrait imaginer, pourquoi pas, moi c'est un truc qui m'intéresserait, on en a déjà parlé, Monsieur X, je regarde le journal télévisé de Claire Chazal, hein, j'adore, et il y a un invité, et ben, automatiquement sur mon appli TF1 de l'iPad, il y aurait simplement la bio Wikipédia de la personne qui passe. Voilà, si au moment de la météo, ce serait la météo locale qui apparaîtrait sur mon iPad. Donc on pourrait imaginer vraiment une interactivité très poussée avec ces objets que sont les smartphones et les tablettes, qu'il s'agisse des objets d'Apple ou non. D'ailleurs, pour moi, ça me semble l'avenir. On verra dans le futur si j'ai eu raison ou tort. Merci messieurs d'avoir participé à cet épisode d'On refait le Mac. On vous retrouve chacun sur vos sites et sur vos pièces ou chambres à coucher respectives. Surtout Madame X. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, vous derrière la caméra. Merci de nous suivre également désormais sur Clubic, hein, puisque nous sommes présents deux fois par mois sur Clubic, dorénavant. En plus de nos chaînes habituelles sur YouTube, Dailymotion, ou encore What. À la semaine prochaine. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Alors, moi j'ai honte du coup de vous présenter mon coup de cœur, donc je vais aller le chercher, donc je reviens. C'est juste là. Ah, c'est vraiment fait à la main ce truc. Hein. Toutes les radios du monde sur Radio Me. On va le faire, on va faire les jingles en live aussi. Oui, mais la télé pour laquelle on militait était une télé simple. Hein, c'était. Eh bien, on a plus de son. Alors, on va appuyer sur bouton on. C'est un cauchemar. On est fatigué en plus. Allez, on a presque terminé là. C'était la conclusion. Est-ce que finalement la quête de cette télévision interactive, puisque c'est ça dont il s'agit, hein, avec l'arrivée de Google, des Sony, nouvelles télévisions de Sony, de Samsung connectées, Monsieur X, moi aussi je perds mon fil, mais c'est pas grave. Voilà, ça me revient. Monsieur X, cette quête de la télévision interactive.